Salut les loulous, c'est Soma. Aujourd'hui, on se retrouve pour la découverte de Undomestic, les loulous, un jeu qui m'a été proposé sur le channel Discord Vos Idées par l'aventurier, que je remercie, un jeu solo, sorti le 12 juillet 2023. Il est sorti en Early Access, il l'est toujours, il est en anglais seulement au niveau des langues, il est sorti. Donc il est actuellement, pardon, au prix de 9,75 € sur Steam hors promo, développé et édité par Tempest Studios. On ne peut pas remuer les touches, on ne peut pas, pardon, jouer non plus à la manette. Si je dis pas de bêtises, attendez, je vérifie, mais non. Du coup, on est sur un jeu qui a l'air de mélanger. Alors, il n'y a pas le tag survie dans le jeu, mais ça me fait penser à un jeu de survie. On va voir ce qu'il en est une fois qu'on aura lancé la game et qu'on jouera un peu dessus. La game va s'appeler Loulou. Et on est parti. Va falloir que je passe en QWERTY à mon avis. On va voir un petit peu ce que ça donne pour attaquer cette semaine de vidéos et de live. Alors, un petit écran noir. Ok. Hello, chers joueurs, et bienvenue. Ok, donc il y a une quête qui va nous aider à démarrer. Ça passe tout seul. Ok, c'est toujours une early access, qu'ils attendent les retours des joueurs. Et de retourner les problèmes visuels et autres, s'il y en a. Donc voici notre première quête, j'espère que vous l'apprécierez. Bah oui. Donc quest start new beginning, un nouveau départ. Donc on a un objectif, donc on a une boussole. Avec un objectif qui s'affiche sur la boussole, on doit aller au village et parler à Oncle Roger. Voilà. Et en bas à gauche, on a la faim, une grosse jauge de faim, avec une plus petite jauge de vie, d'endu et de soif. Le jeu est plutôt très joli. Je démarre en ramassant de la pierre. Alors, on va suivre la quête. On va pas commencer à s'éparpiller. Même si on peut ramasser des petites bricoles à droite à gauche. Ouh, il y a pas mal de ralentissement. D'accord. On peut taper. Il y a des gardes. Bonjour. Pas les taper. Mec qui cherche déjà les embrouilles. J'ai plus de stam. Ah ouais, Oncle Roger, c'est un. Ah, Leoric. I'm glad to see you're back safe and sound. The seashore is indeed a sight to behold. It's been a doublage des dialogues. And you've grown stronger with each passing moment. M'attendez pas à ça. Leoric, there's no need for thanks. It's our way to help those in need. And you're like family to us now. We may not share blood. Ok. You're welcome, lad. But the real journey is just beginning. You sh First, let me introduce you properly to the villagers. Ok, il va nous présenter aux villageois. Welcome you into our community. You'll find people of various skills and talents here, all united by the desire. What is it, Leoric? Leoric, the past doesn't define us. It's the choices we make now that shape. Ok. I have no doubt you will, Leoric. Your journey here is just beginning, and I'll be right there by your side, supporting you every step of the way. You
can start by build yourself a small house. On peut commencer par construire nous-mêmes une petite maison. Mais on doit ramasser des sticks et des pierres, crafter une hache, couper des arbres et les utiliser pour faire du matériel de construction. Après ça, viens me voir et je t'introduirai aux autres. Donc je te présenterai aux autres. Donc je dois ramasser 2 pierres et 10 branches. On va sortir du village. Alors, des ressources. Il y en avait plein quand on a démarré. Et là, il n'y en a plus. Ah. Ok, 3 sticks. Pierre, il faudrait. Ok, en ressortant, on va trouver plein de trucs. Oh. Je peux pas monter? C'est une blague? Ah. C'est bizarre. Et ok, donc crafter les items, ouvrir la table de craft en pressant K. Item tools, survival tools, pioche, hache pardon. Ok, du coup inventaire. Parfait. Comment je... Mince. Bah oui, mais... La fenêtre, s'il vous plaît. Comment je mets... Ah, y a pas une touche, faut récupérer le curseur. Ah bah, tout va bien. On est bien là, avec une belle fenêtre de tuto qui nous empêche de voir ce qu'on fait en fait. Ah, alors là on a un gros problème. Là j'avoue. Pourtant je l'avais cliqué exit. Ah là 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 là. Ah les jeux quand ils sont pas bien faits. Je comprends pas qu'un jeu qui soit sorti en juillet 2023 ait encore ce genre de problème là en fait. Si je vais parler à quelqu'un, est-ce que ça va m'enlever la fenêtre? Bah, faudrait que j'aille là-bas, mais je vais aller reparler à mon... Si j'y arrive, sinon bah, je recommencerai une vidéo, hein. J'ai juste essayé d'aller parler à quelqu'un. Non. Ah, si. Ok, merci. C'est bon. Allez, on s'en est sorti. Ça m'évitera de perdre du temps. J'ai peur.
Alors, est-ce qu'on peut boire dans l'eau? Oui. Et au niveau de mon inventaire... Il y a combien de slots de raccourci? 6. Parfait. Ok, c'est par là-bas que je dois aller. Et donc là, on va se rendre au terrain d'entraînement de construction. Alors, construire. Pour commencer à construire les pré-parts de crafting menu, the building part willing. Alors, je dois construire 4 fondations. Il faut des planches de bois. Ok, on va taper des arbres. On peut pas maintenir le clic appuyé, j'ai l'impression. Parfait. Est-ce qu'on a... On n'a pas de durabilité sur les outils, à première vue. Est-ce que je me ferais pas une pioche? Manque de pierre. Impeccable. Donc ensuite, on veut craft. Donc, j'ai les 4 fondations. Parfait. Ensuite, on veut 7 murs, un ceiling, 3... Ouais, un encadreur de porte. On va faire que 6. On va battre un arbre.
Attrape notre arbre. Il y a une physique un peu bizarre hein, des choses, mais bon. Donc j'ai fait ça, il m'en manque un, j'ai fait ça. Craft, item, matériel, wood. Ensuite, il nous faut une porte. Inventaire, la porte. Ah. Voilà. Et il me faut 4 ceilings. Alors pour l'instant, ça s'apparente vraiment à un jeu de survie. Hein. Il est là. Vessie, toi. Espèce de quoi hein. Reviens que je te tue. Ok, donc ça c'est fait. Construire un lit. Alors, un lit. Ça va être placeable. Oh, il faut 15 sticks. Oh. Alors, j'en ai 4. 5, 6. J'ai la caméra qui se bloque, ou alors c'est ma souris, mais... 7, 8, 9, 10. 11. Je crois qu'on est à 13. Hein. Non, des sticks, j'en ai 21. Ah. Alors, est-ce qu'on peut faire un petit escalier? Il me faut des planches. Très bien.
Très bien. Inventaire. On met la rampe. On prend le lit. Ok, sauvegarder la partie. Sauvegarder. Yes. Et je dois aller parler à Oncle Roger. Donc on est reparti. Alors j'ai ma hache, ma pioche aussi. Qu'est-ce que je peux taper comme caillou? Est-ce que je peux taper ça là? Ok. Il va falloir que je boive. Welcome back, Leon. Donc, did you build your house? On a fait notre maison. Well done. Now I'll help you with the combat and survival skills. Please okay. Go to the... Donc là maintenant, je dois aller à la zone d'entraînement de combat. Alors, je dois parler au leader. Hey, is that you, Leoric? So, you're... On a une épée. Donc, inventaire. Alors, je vais équiper mon épée et combattre un... Et combattre un soldat. Alors, où ça? Bah! Manger, hop, une petite pomme, deux pommes. Quel soldat je dois affronter? Toi? Attendez, j'ai dû reparler. Ah, il me demande si j'ai besoin d'aide. J'aurais tendance à vouloir lui répondre oui. Mais, comment dire? J'ai pas le choix. Alors comment je combat Parce que là, ok, c'est chauffe. C'est bien sympa, hein, mais... J'ai pas de suivi de quête, hein, on est d'accord. Et si je m'éloigne... Ah, mais je peux pas sortir. C'est une blague. Ah oui, je peux pas quitter la zone de combat. Pff. C'est quoi ce jeu en fait? C'est dommage parce qu'il est beau et tout, mais c'est quoi ces bugs à deux balles? Alors là.
Bah, sérieux, je suis level 201 en logging. Ça n'a aucun sens. Équipez votre épée et battre un soldat. Un solideur d'ailleurs. Très bien. And defeat a solider. Il y a pas de un mannequin d'entraînement ou une connerie, on est d'accord. Hein. Bon, je savais pas qu'on pouvait faire ça. Bon, il y a du loot. Mais je comprends pas la quête, les loulous. Bah, du coup, on va s'arrêter là. C'est dommage, hein, parce que le jeu, il avait un bon petit potentiel, mais là... Je comprends pas en fait. C'est tellement dommage de bloquer là-dessus quoi. Puis on est d'accord qu'il n'y a rien d'autre avec quoi je peux interagir. Hein. Et je peux définitivement pas sortir. Bah j'aurais cherché un petit moment, mais alors on a trouvé du gigot. Interface où on est limité par le poids. J'avais pas regardé ça. Et ça, ça doit être l'argent qu'on a trouvé. 178. Après, il y a plein de logos sur la minimap. Donc dans le village, il y a pas mal de choses. Il y a l'air d'avoir pas mal de choses à faire en plus. En tout cas, d'interaction avec des PNJ. On a un petit symbole de logo, de potané, de soldat ou je sais pas quoi. Et puis un logo de rondin de bois, de bûche. Appelez-le comme vous voulez. Est-ce que je peux sortir par là? Non. Allez, mur invisible, par contre, c'est l'enfer. Eh bien, écoutez les loulous, on va se laisser là-dessus. C'est dommage. Vous me direz ce que vous en avez pensé, en dehors de ce bug. Que je pense là n'arrive qu'à moi, hein, je pense pas que ça arrive à tous les coups, mais bon tant pis, j'ai pas le temps de refaire une vidéo pour essayer de passer ce bug, à moins que, attendez, on peut pas sauvegarder, on sauvegarde comment sur ce jeu? Je tente un truc, on verra bien, et sinon on se laisse là-dessus. Je vais load la game. Il y a une sauvegarde, j'ai l'impression, quand on quitte. On sait jamais. Sur un malentendu. Oula. Ah, j'ai respawn chez moi. À la rigueur, je le retente vite fait pour voir au moins les combats. Vu que là, il faut que j'aille parler à mon oncle et ensuite on va à l'ère d'entraînement de combat, quoi. On avait bu. On va manger. Ok, donc ça c'est fait. Well done.
Donc, demi-tour. On part là. Hey, is that you, Leoric? Donc là, je suis à nouveau enfermé. On est bien d'accord. J'équipe mon épée. Ah! Ok, alors là ça a marché. Not bad, but you're not. Bah, je prends pas de dégâts, hein. Ah, je dois skin le wolf. On a eu de la peau, de la viande, deux peaux, une viande. You've got potential, boy. But potential. Good. Now. Alors, je dois reparler à mon oncle. Welcome back. You seem tired. Oui, je suis fatigué. Then let's attend to... Now for your hunger. I have an idea. Un piège à lapin. You can craft... Alors, je dois boire de l'eau. You can drink water from any river or from water flask in your inventory. Craft a rabbit trap. Alors, justement, dans les crafts... on a vu, on n'a pas forcément tout vu. Bon, les outils, si. Le matériel, si. Les trucs à placer. Il y a un feu de camp. Il y a un piège à lapin, justement. On a vu le lit. Et on a vu Concrete Planting Pot. D'accord. Et ensuite, ici, on a vu fondation, mur, ceiling, porte et escalier. Très bien. Alors là, il vaudrait mieux que je ressorte de... d'ici, non? A rabbit? Alors, est-ce que j'aurais pas le mettre chez moi? Le problème, en fait, c'est que... On n'a pas l'info... Je pense que la maison, elle est par là-bas. Hein. Et encore, je suis pas sûr du tout. Si, elle est là-bas. On va dormir. Histoire de passer la nuit. Voilà. Et du coup, on va placer ceci.
mettre là. Il faut que j'attende d'avoir un lapin. En tout cas, le jeu est joli. Il n'y a pas de gros problèmes majeurs. Si ce n'est, j'ai eu des impressions là, des fois, de blocage en fait de ma caméra. Bon, par contre, il y a des petits bugs quand même plutôt gênants. Le bug qu'on a eu d'affichage du tuto qui voulait. Je pouvais plus cliquer dessus pour l'enlever. Là, le bug du combat qui se déclenche pas, le PNJ qui fait pas le déplacement pour faire le combat. C'est quand même plutôt embêtant. Mais après, sinon, il y a de l'idée. Alors, à voir par la suite ce que ça donnera en termes un peu de liberté de ce qu'on peut faire. Ou si on va suivre comme ça que des quêtes au fur et à mesure. Mais là, on est plus toujours dans une espèce de tuto. Hein. Les loulous. Dans tous les cas, on va se laisser là-dessus. J'attends vos retours de commentaires sur cette découverte. Je vous laisse là-dessus, les loulous. Et puis, bah, moi, je vous dis à la prochaine. Allez, ciao tout le monde.